Bonsoir à tous et à toutes. Avec une vue un peu originale ce soir, un appareil au sol, tiens, une tour de contrôle et des avions qui sont garés quelque part par ici et par là. On est à Lognes pour une séance, une soirée un peu particulière, puisqu'on va s'initier, quelques pilotes et moi-même, donc les pilotes à la Fraséo en tour de piste à Lognes et moi-même en ATC, donc petite séance sim ATC. Si jamais c'est quelque chose qui fonctionne bien et qu'on arrive à faire, on le fera de temps en temps, soit en séance spéciale, soit ponctuellement dans l'escadrille. Voilà Régis, ça répond à ta question. Ouais. Donc en fait, l'idée était prévue depuis déjà une bonne année, on en avait déjà parlé. Philippe avait fait des propositions de des tutos en tour de piste, etc. Et puis après, moi je m'étais dit, tiens, à l'occasion, ça m'intéresserait. Ça fait juste des mois que ça durait, mais voilà, ça y est. On y est maintenant. Donc, tout le monde a regardé son fichier PDF. Tout le monde l'a appris par cœur. Oui. On ouais. Comme le mardi soir. Comme le mardi soir, ah ouais. Beaucoup d'improvisation, du film. Non. Ah, tu déconnes. Ah, bah, je sais pas. Je sais pas comment tu fais le mardi soir, moi. Bon, alors, en pilote, nous avons, je vais essayer de ne pas vous oublier, attends, on va regarder comme ça, pareil, là, il faut que je manipule deux ordinateurs, etc. Nous avons donc, bon, PMB, c'est moi, Eric, bonsoir Eric. Bonsoir. Cyclope, alias Marc. Régis. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir à tous. Eric. Bonsoir à tous. Philippe 02. Bonsoir à tous. Et Yankee Romeo, alias Johan. Salut. Et en principe pourrait arriver Damien, alias Mobilette, et peut-être bien dans pas longtemps Jean-Luc, à voir. Donc, alors le principe du jeu ce soir, ça va être... Alors, donc ce que je propose là, on va faire simple, hein, évidemment, au début, c'est qu'on va partir sur le PDF du tour de piste, uniquement du tour de piste, d'accord, avec les quatre ouais. Petites fiches. Histoire de se chauffer un petit peu et puis de voir. Donc on est en 0,8 dur, j'ai pas mis la météo, donc en gros je vous annoncerai un vent du 0,90, du 0,70, avec un vent fictif de 5 ou 10 nœuds, enfin, en fonction de l'inspiration du moment, d'accord? Ok. Donc en fait, okay. Ça n'a pas de réalité plus que ça. Le truc étant que okay. L'hiver on est plutôt sur du vent d'ouest, hein, donc on devrait être sur la 26. Mais la 08, elle est plus, je trouve qu'elle est quand même plus intéressante. Là, j'en profite pour le montrer au niveau de l'écran. C'est que en fait, donc on part d'ici. Alors, je sais pas si chez vous c'est pareil, mais moi, il a inversé la 08 et la 26. Hein, le Little Love Map. Je sais pas si vous avez remarqué ça. Donc, on décolle de la 08, hein, c'est-à-dire comme ça ici. Bon, on part à l'est. D'accord. Voilà, on part vers l'est. Donc, je vais en profiter en même temps pour vous redonner deux trois éléments. Réel, hein, donc concret. Donc on décolle de la 08 dur, on met les gaz, rotation, une petite montée initiale ou un palier selon l'appareil que vous avez. En tout cas, une chose est sûre, c'est que quand vous arrivez au seuil de la 26 herbe, c'est-à-dire à l'opposé, mais enfin au seuil de la piste en herbe, vous prenez une route au 120, et toujours en montée initiale bien sûr. Ok, 300 pieds sol, ben, vous pouvez rentrer. Ok, alors pourquoi attends. Ah oui, d'accord, ok, je comprends. Ouais. Voilà, donc en fait, vous êtes en oblique. C'est ouais, ouais, par rapport à la carte VAC, c'est ce qui est dit. Ok, je comprends. Voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est pour éviter de faire une montée initiale directement sur Croissy-Beaubourg qui est juste en face. D'accord. Donc, ce qui fait que vous voyez qu'on contourne Croissy-Beaubourg. Alors, justement, vous avez le petit lac de Croissy-Beaubourg. En gros, quand vous l'avez par le travers, ça fait longtemps que j'ai pas fait de tour de piste, mais en principe, c'est à peu près quand vous l'avez sur le travers que vous reprenez une route parallèle à. Bah, la piste, hein, au 0,80 en l'occurrence. 80. Moi en réel, je m'occupe pas tellement de ça, j'ai des repères visuels dehors. Tu es la 4 en fait. On est plus ou moins pour on est parallèle en fait. Et donc vous franchissez, en fait le point tournant suivant, enfin pour tourner, c'est le. Merde, on appelle ça les lignes de tension. Les lignes de tension, ok. Donc vous passez un tout petit peu les lignes de tension, alors pas de beaucoup, hein, vous les franchissez. Dès que votre aile commence à passer sur les lignes de tension, hop. Vous amorcez votre virage, en gros c'est du 90 degrés hein, à gauche. Vous suivez parallèlement aux lignes de tension. Donc là vous êtes presque à 1200 pieds où vous devriez être.
Vous allez donc au-dessus de l'autoroute. Et ensuite, quand vous êtes vertical autoroute, là vous faites le virage, quoi. D'accord ? Et d'accord. Ensuite, vous retrouvez, bah, remontez. Alors là, vous êtes en début de vente arrière. À très peu de choses près. Enfin, là, début de la vente arrière, c'est une fois que vous avez stabilisé votre virage, que vous êtes bien dans l'axe. Là, okay, là vous pouvez vous annoncer en début de vente arrière. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, Jean-Luc ? Ok, donc il nous rejoint plus tard. Donc là, début de vente arrière. Alors, vous annoncez vous-même votre vente arrière. Hein, quand vous allez partir, on est d'accord que clairance départ, autorisé décollage, machin. Hop, vous décollez, vous faites la manœuvre. Et c'est vous, une fois en vente arrière, qui dites, bah, début de vente arrière, patati patata. Vous êtes parallèle à l'autoroute, pas tout à fait à la verticale, légèrement sur le côté, donc à peu près parallèle à l'autoroute. Quand vous arrivez sur l'embranchement suivant, qui correspond à l'intersection avec la nationale 104, qui va vers le sud, en l'occurrence, là, vous vous obliquez légèrement sur la droite. Qu'est-ce qu'il me dit Little Nama, vous êtes du 270 en gros, vous passez à 285 quoi, à 10-15 degrés tout en restant parallèle, ça vous permet de rester parallèle à l'autoroute. Et ensuite, pour amorcer le virage qui vous amènera sur la, enfin pour la base en fait, hein, qui vous amènera donc en finale après, vous allez voir, bon, mon point de repère, il n'est pas compliqué, c'est que sur votre gauche, vous avez la petite cité, il y a un petit château, et juste après vous avez un petit lac. Et quand vous voyez le lac, c'est que l'étape de passage en base, il est vraiment pas loin. En principe, vous devriez voir sur la Seine le bâtiment qui a une forme de hache. Et sur lequel, en principe, vous avez un damier, blanc et rouge. Oui, il est, ouais. Oui, exact. D'accord. Donc l'idée, en principe, c'est de passer à la verticale de ce damier, blanc et rouge. Ce qui fait qu'à fait, après, quand vous faites votre virage... Bon, je vous passe pas les paramètres techniques, hein, c'est vous qui les gérez, en fait. On fait de la phrasio, on fait pas du pilotage. Donc vous amorcez votre virage et vous descendez pour une altitude de pas moins de 800, on va dire vous ciblez 800-850 pieds, voilà, en pratique. Vous essayez de, en fait, d'accord. L'astuce consiste à viser la ville qui est en face de vous, qui s'appelle le Plessis-Trévise. Vous verrez quand vous êtes en base, vous avez la forêt qui tombe sur la ville qui forme un V, et vous voyez la base du V. Vous visez la pointe. Quand vous visez la pointe et que vous êtes dans l'axe, ah. En gros vous êtes bien aligné sur la piste, enfin sur la base. D'accord. Et ensuite, bah, vous gérez votre virage pour passer en finale. Et la pointe, ouais, là, ouais. T'es à 800 pieds, hein, c'est ça, Pascal? C'est ça, et t'es dans les 800 pieds, t'es pas en dessous de 800 pieds. Non, t'es à 800 au-dessus, oui, c'est ça. 800 pieds au niveau de la base. Pieds, 800 pieds QNH. 800 pieds à la fin de la base. QNH, ouais. Ça, ton altimètre, il indique 800 pieds. Si t'es en dessous, t'es trop bas. Mm. Si t'es à 900 pieds, tu commences à être un peu haut. Et les deux pistes sont ouvertes, Pascal? Oui, oui, tout à fait. Ok. Donc on va dire que Johan, lui, il pourra aller sur la gazonnée comme il veut. Après, chacun de vous fera donc... Alors après, c'est la finale, vous annoncez la finale, moi je vous autorise ou pas. Et je ferai en sorte de gérer, pareil, s'il y a quelqu'un qui se pose et quelqu'un qui arrive derrière, hein, les remises de gaz. D'accord ? Donc on va essayer de gérer les espacements pour pas que ça se produise, mais ça arrive. Et le tour de piste, que ce soit départ 8 ou départ 26, c'est le tour de piste, il est le même, hein, sauf en sens inverse, bien sûr. Alors, ouais. En sens inverse, il est différent, parce que justement, quand tu arrives sur le point qui s'appelle Whisky 7, là, WP7, sur le plan que je t'ai donné, là, quand tu arrives pour la 26, hein, tu fais ton virage, c'est pareil, sauf que tu te retrouves en finale directement sur la 26. Ouais, d'accord, tu fais pas l'équivalent des 120 degrés qu'on est au départ de la ville. C'est pour ça que l'autre tour, il est moins intéressant. C'est le là initial qui est pas mal. Ouais. Dans l'autre sens, effectivement, ou quand tu arrives en approche directe, hein, depuis le point écho, à l'est, tu arrives, bah, pareil, sur cet axe-là, en fait. Après, la rigueur, en fonction de comment ça se passe et tout ce qu'on fait, on fera peut-être un tour de piste en 26, si vous voulez, mais ça sera pas forcément le beat. Ah, tiens, il y a un TeamSpeak user qui vient d'arriver. C'est probablement Jean-Luc. Je le prends et hop là, attrapé ici. Voilà. Ok. D'accord. Et donc, ben voilà. Alors, ce qu'on va faire, effectivement, on est nombreux, ça risque d'être un peu compliqué. Donc, on va faire des espacements d'au moins une minute à chaque décollage. De toute façon, les espacements vont se faire naturellement. Donc, ce que je vous propose, moi, après, c'est au niveau de la prise radio, d'attendre un petit peu que ça se calme. Ouais, on va se mettre entre 15 et 20 secondes entre chaque. Pour faire les deux, les autorisations de roulage, etc.
Et après, au niveau du départ, on verra comment ça va se passer dès le premier tour de piste. On va laisser partir déjà ceux qui sont aguerris, genre Marc, Dominique, Eric. Attends, moi, je suis pas pilote, moi, c'est civil, en plus. Ah, tiens. Mais après, si vous voulez que je parte le premier, ça me dérange pas non plus, je bafouillerai un peu, c'est pas grave. Voilà, on a envie de se marrer aussi. Non, je déconne. Le stress, Marc, t'as une manière de remonter le moral des troupes. Ouais. Non, mais, le mardi, le premier mardi, on n'est pas pour parler de ça, mais. Comme mardi, je l'ai fait, putain, j'avais chaud. Ouais, ah bah oui, hein, c'est normal. Je transpirais. Hein. C'est normal. C'est clair. Donc, alors justement, j'ai pensé à un truc là pour cette première séance, hein, histoire 2. Alors, ça va vous faire sourire ou peut-être trouver que c'est un peu scolaire, mais je pense que c'est peut-être pas une mauvaise chose pour se mettre en forme. Donc, Johan, t'as l'habitude. Moi, ouais. J'ai l'habitude. Donc, ce que je propose, c'est que Johan, on se fait juste, hein, sur les quatre fiches du tour de piste. Hein. Bon, moi, je les ai à l'écran pour les lire, puisque je suis pas encore complètement chaud là-dessus, mais on se fait les échanges radio, on se fait les enchaînements, Johan. D'accord ? Ok. Prise de machin, point d'attente, décollage, vent arrière, atterrissage 26 dur, puis après ça sera Régis, si après, tu veux. Ça sera Marc. Donc juste comme ça, on va dire, pour précharger en mémoire en quelque sorte les... Sans bouger l'avion. Ah non, sans bouger l'avion, ouais, c'est d'accord, juste d'accord, un... ok. On prend une petite minute chacun, et ce que je propose aux autres, c'est que pendant il y en a un qui le fait, les autres mentalisent le truc. Ils imaginent, ou alors ils savent ce qu'il va dire. Enfin, reste concentré sur le sujet. On va voir ce que ça donne. Et juste une petite remarque, si pendant le vol, on pourrait tous garder presque les mêmes vitesses pour gérer les espacements. Oui. On a des avions presque les mêmes performances. Donc en vent arrière à peu près 80 nœuds, en finale 70 et 65 en course. C'est ça, d'accord, voilà. Ouais, très bien. Ok. Ah si, alors attends, il y a un truc que j'ai pas fait. Normalement, je vais le charger. Il est où? Ah non, il est pas là. Je voulais le précharger, mais en fait... Ah mince, tu vois. J'avais prévu de noter les choses. Et tu nous donnes la piste? Non, on va passer ça aussi. La tisse. Alors si, oui, je voulais en parler quand même de la tisse. Juste c'est... à l'information pour la radio, pour la fin de la semaine. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, donc tout le monde voit ce que c'est la tisse maintenant. Oui, oui. Ouais. Alors. Ah, je l'ai regardé, il passe golf. Moi j'ai une dia, moi. À un moment donné, je pensais enregistrer un ATIS pour vous le faire écouter. En fait, j'en avais un, mais j'ai pas eu l'occasion de le retrouver. Donc l'ATIS donne les informations pour débuter le vol, et en l'occurrence il va donner l'information qui nous intéresse nous en priorité, c'est le QNH pour qu'on règle l'altimètre, la piste en service, c'est ça qui est vraiment important. Donc on va dire que ce soir on est sur l'information quoi, tu disais golf? Ouais, il passe golf là, mais ça dépend des... Ouais, c'est Foxtrot. Encore maintenant là? Ouais, bah oui, mais ça dépend à quelle heure tu as mis ton simu. Ah oui, c'est vrai. Pour pareil. Ouais. Ah oui, j'ai d'accord, une dia, voilà. Simu. C'est le problème. Ouais, ouais. Non, bon, on va dire qu'on est tous à la même heure. On va dire qu'on est sur Delta. Voilà. Ah, les Delta, ouais. De toute façon, les paramètres, tu les connais. Hein. Oui, de toute façon, là, vous les réglez pour le... Comment dire? On met 1013 en 08. Ce soir, on était même à 1022, je crois. Mais bon, c'est pareil, si on n'est pas branché sur la météo réelle. Ce qui compte, c'est ouais. Ton altimètre, il indique 300. L'alti, il est 300, exactement. Ouais, c'est ce que... D'accord. Donc moi, j'ai fait un fac-similé de trucs là, qui va me permettre... Alors, je dirais pas que c'est des strips, hein, mais ça va me permettre un petit peu de m'y retrouver. Parce que sinon, c'est pas forcément évident après de savoir ce qu'il en est. Ouais. Donc je vais essayer ça aussi. Ce qui fait que si je réponds pas dans la seconde, c'est normal, hein, Yoren. Parce que là, tu vas me surprendre avec ton immatriculation. J'attends ton goût, tu me dis qu'on... Ok, bah écoute, c'est comme tu veux. Le Neufol de Fox s'appelle Alpha Yankee. Romeo, bonsoir. Romeo, voilà, tu vois. Fox Hotel Alpha Yankee Romeo Lone Sol, bonjour. Fox Hotel Alpha Yankee Romeo, Robin Adair 400, une personne à bord, parking Sadi Le Cointe. Avec l'information Delta reçue, demandons roulage pour des tours de piste, s'il vous plaît. Fox Yankee Romeo, roulez et rappelez prêt au point d'attente 08 dur.
On roule, on appelle 0, point d'attente 0,8 de Yankee Romeo. Donc là, en réalité, Johan va rouler, ça va prendre une bonne minute 30, je dirais, 2 minutes maximum. Après, il y a toute la phase des essais de moteur, les checks, les briefings des pré-décollage, etc. Et ensuite, quand il est prêt. Ligne au sol de Yankee Romeo, point d'attente 0,8 prêt au départ. Fox Yankee Romeo, maintenez point d'attente éveillé, la tour 118 décimal 6. Je maintiens un point d'attente, je réveille la tour 118 décimal 6, Yankee Romeo. Donc là, faut que je trouve une autre voie pour faire la tour, mais bon, je vais pas chercher. Fox Yankee Romeo, bonjour, alignez-vous 0,8 dur, autorisé décollage, vent du 0,90 pour 5 nœuds. Bonjour, je m'aligne à 0,8, autorisé décollage, Yankee Romeo. Donc ensuite, etc., il roule, il prend la piste. Alors il peut y avoir une variante qui est prêt pour un roulage, pour un décollage immédiat. Ça veut dire que par exemple un avion est en base, la tour peut demander à l'avion qui, s'il est prêt, et hop, et il décolle rapidement. Je ne pourrai pas s'asseoir. Yankee Romeo, vent arrière 0,8 pour un toucher. Yankee Romeo numéro 1, rappelé final 0,8 dur. Numéro 1, je rappelle final 0,8 dur, Yankee Romeo. En finale, 0,8 dur, Yankee Romeo pour en toucher. Fox Yankee Romeo autorise atterrissage 0,8 dur, vent du 100 pour 4 nœuds. Correction, c'est pour un toucher, Yankee Romeo, autorisé toucher 0,8 dur, Yankee Romeo. Merci Johan, c'est parfait, comme quoi. Très bien, autorisé toucher Yankee Romeo 0,8 dur. Donc voilà, il a pris repart pour un tour de piste, etc. Ok, c'est vu pour tout le monde ? Ouais. Oui, c'est bon. C'est bon ? C'est parfait. Bon, allez, Régis, à ton tour. Bon, on va transpirer. Ouais. Allez, c'est tu parti. Peux, tu peux lire avec le PDF, hein, et c'est pas... Là, ça se ouais, mais pas, j'essaye de le faire de... C'est comme tu veux. J'essaie de le reprendre moi, de tête. Moi, tu vois, j'ai le PDF pas... sous les yeux pour justement... Ouais. Bah, je vais essayer de voir comment... C'est comme tu veux, maintenant. ...me sentir. Le sol de Fox Romeo Golf India Sierra, bonjour. Alors déjà, le sol... bonjour, je n'ai pas capté la fin de l'immatriculation. Fox Romeo Golf India Sierra, bonjour. Fox Golf India Sierra, Romeo Golf India Sierra, l'ONU Sol, bonjour. Fox Romeo Golf India Sierra, un DA 40, une personne à bord au parking Guillaume, demande le roulage pour des tours de piste avec Alpha copié. Fox India Sierra, roulez et rappelez prêt au point d'attente 0,8 dur. Je roule, rappel prêt, point d'attente 0,8 dur, Fox India Sierra. Fox India Sierra au point d'attente 0,8, on est prêt. Fox India Sierra, maintenez point d'attente, éveillez la tour 118 décimal 6. Je maintiens le point d'attente 0,8 et je veille la tour 118 décimal 6. Fox India Sierra, bonjour, aligné au 0,8 dur, autorisé décollage, vent du 0,90 pour 4 nœuds. Fox India Sierra, bonjour, je m'aligne et je décolle 0,8 dur. Donc là c'était, tu vois, alignement 0,8 dur, ah oui, et c'est... décollage autorisé. Ah, c'est décollage autorisé. Décollage autorisé. Décollage autorisé, ok. Donc je décolle, tac. Fox India Sierra, début de vent arrière 0,8 dur. Fox India Sierra, numéro 1, rappelé final 0,8 dur. Je rappelle final 0,8 dur, Fox India Sierra. Fox India Sierra en final 0,8 dur. Fox India Sierra autorisé, atterrissage 0,8 dur, vent du 100 pour 0 degrés pour 4 nœuds. Je sais plus, est-ce qu'on dit j'atterris ou on dit rien du tout. Autorisé atterrissage, en fait. Autorisé atterrissage 0,8 dur. C'est ça, Sierra. Voilà. Juste alors, pour Pascal, je pense que la tour, souvent quand il dit le vent au sol, 90 degrés 5 précise au sol. Il dit au sol Je pense de mémoire, oui. Ah bon. Je ne me rappelle pas. Tu... Ça dépend des personnes. Voilà. Mais... D'accord.
Donc en fait, c'est autorisé au décollage. Tiens. C'est autorisé décollage en fait. Ouais. Ah oui, ça a changé. Alors oui, c'est comme le point d'arrêt qui a changé aussi. C'est ça, voilà. Point d'arrêt. Oui, d'accord. C'est un bas plante maintenant. Ouais, d'accord. Et en fait, souvent, alors... en vente arrière aussi, on donne nos intentions touchées ou quoi qu'on peut. Ah oui, ok, d'accord. Sinon, par défaut, je vais supposer de toute façon que tu vas faire un complet. Un complet, d'accord, ok. Ouais, ok. Alors après, par contre, il y a un truc qu'on n'a pas fait avec Johan tout à l'heure, puisqu'il était parti pour un toucher, mais qu'on peut faire avec toi, c'est que quand tu arrives au sol, tu dégages la piste. Oui. En concret, tu bascules sur la fréquence sol, à nouveau. Oui, oui. Et là, tu me rappelles pour me dire que la piste est dégagée, demande au roulage, etc. Donc, Cindy Sierra, piste 08 dur dégagée. Autorisation de roulage et quitter la fréquence à Guillaume. Fox India Sierra, roulez et quittez au parking. Au revoir. Je roule, je quitte au parking, Fox India Sierra. Bien. Bon, bah oui. Ça revient doucement. Au service. Eh ouais, c'est Yann, c'est Marc qui a parlé, c'est Marc qui veut le faire. Quoi? Allez, allez Marco. Ah, je sais pas, j'interprète les signes. Ouais. Marco, j'aime toi. Ok. Le seul de Fox Mike Alpha Romeo Charlie, bonjour. Fox Mike Alpha Romeo Charlie, Lionio Sol, bonjour. Fox Mike Alpha Romeo Charlie, un DR400 avec une personne à bord, reçu l'information... Alors je sais pas, Atis, Alpha, Delta. Je sais pas où est-ce qu'on est. On était parti sur Delta tout à l'heure. Delta, bon, avec l'information Delta, demande autorisation de roulage pour les tours de piste. Donc t'as pas dit à quel parking tu étais? Je le sais pas en plus, j'ai pris le truc au hasard. Alors, au parc civilisation général. Tu... Voilà, sinon, si il, est sais... chez Berlin... il est chez Berlinguet, Pascal. Berlinguet. Bon, ouais. Au parking en face de chez Régis. Voilà, c'est Berlinguet. Alors c'est Berlinguet. Au parking Berlinguet. Parce que je le vois là. Allez, vas-y, refais-la moi s'il te plaît. Alors, Fox Mike Alfa Romeo Charlie, un avion, un DR400 au parking, je ne me rappelle déjà plus, avec l'information Delta, demande une autorisation de roulage pour les tours de piste. Voilà, une personne à bord demande roulage pour les tours de piste. Fox Romeo Charlie, roulé et rappelé, prêt au point d'attente 08 dur. Autorisé roulage, je rappelle au point d'attente 08 dur, Fox Renault Charlie. Je rappelle prêt au point d'attente 08 dur. Rappel prêt au point d'attente Fox Renault Charlie. Voilà. Blablabla, bla, bla, bla. Ça y était prêt. Ça rigole pas. Hein. Ah, Fox Renault Charlie au point d'attente 08 dur. Je suis prêt. Fox Romeo Charlie, maintenez point d'attente et veillez la tour sur 118 décimal 6. Je maintiens le point d'attente et je veille la tour au 118 décimal 6, Fox Romeo Charlie. Très bien. Fox Romeo Charlie, bonjour, alignez-vous piste 08 dur, autorisé décollage, vendu 0,90 pour 4 nœuds. Bonjour, attends, ah oui, parce que là en fait, entre temps, j'ai basculé sur la tour. Ouais. Ça, normalement, c'est quand ça, tu es dans la grille, tu fais un bascule. Ouais, ouais. Bon, là on le fait pas ce soir sur l'appareil, hein. C'est juste pour. Non, mais je comprends bien, je comprends bien. Ok. Bonjour, aligné piste 08 dur, décollage autorisé, Fox Romeo Charlie. Autorisé décollage, Fox Romeo Charlie. Voilà. Ouais, très bien. Donc après. Passe en vente arrière. Oui, on fait déjà le retour. Ok. Ouais. Fox Romeo Charlie, début de vente arrière pour des tours de piste. 08 dur. Donc en fait, c'est un toucher à ce moment-là. Tu continues à tourner. Pour un toucher 08 dur. C'est plutôt ça. Ouais. Fox Romeo Charlie, numéro 1, rappelé final 08 dur. Fox numéro 1, je rappelle. Attends, tu m'as dit de rappeler en finale? Non, tu m'as pas dit de rappeler en finale. Si, rappeler finale, ah, okay. Fox. Oh là là. Numéro 1, je rappelle en finale 08 dur. Fox Romeo Charlie. Très bien.
donc là t'es en finale. Et là je suis en finale, donc Fox Romo Charlie en finale 0-8 dur. Moi j'ai envie de dire pour un toucher en plus, mais bon. Si, si. Bah oui, tout à fait. De toute façon, tu l'avais annoncé tout à l'heure, donc. Ouais, mais ouais. Tu peux le redire aussi. Hein. Tu rappelles que tu demandes un toucher. Quoi. Donc Fox Romeo Charlie, toucher autorisé 0,8 dur, vent du 100 pour 4 nœuds. Autorisé pour un toucher Fox Romeo Charlie. Enfin, autorisé pour un toucher 0,8 dur Fox Romeo Charlie. C'est vrai que c'est pas facile en fait. Souvent, je remélange, enfin, je mémorise les trucs, mais après, je les donne pas dans l'ordre qu'il faut en fait. Et après, je m'en rencontre en général. Et en révolte, ça sera encore plus difficile. C'est tout l'art du collationnement. Ouais. Mais on y passe du temps. Oui, bah, il faut quelques tours de piste. Il faut des semaines avant que tu t'arrives à tout intégrer au vol. Oui, bien sûr, mais en plus, en vrai, en vol, c'est encore plus 10 fois plus dur. Hein, Oui. Je m'en doute. Ouais. Parce que la machine file devant, et toi, t'es derrière avec le collationnement, et t'as la bécane qui avance, et voilà. Déjà, tout à l'heure, vous verrez la différence en étant simplement en train de piloter votre appareil, de tenir votre 1200 pieds, etc. Exactement, et t'as raison. C'est là que tu te fais, t'as chaud aussi. On va foutre le pilote automatique, on va pas se faire chier. Faut que tu tiennes les 1200 pieds, peut-être pour 80 nœuds, etc. Tu vois, t'as l'axe de piste et tout à gérer. C'est pas forcément bien simple. Non, je suis d'accord. C'est aussi pour ça que je vous ai proposé de faire cette révision verbale pour vous mettre dans le bain et puis que vous commenciez à précharger tout ça dans votre mémoire en quelque sorte. Et surtout si tu as un instructeur à côté qui gueule. Ouais. La bille, bordel. Exact, c'est ça. Eh ouais. Bien, allez. Si je peux juste, parce que comme disait l'instructeur il y a 30 ans, hein, c'est d'éviter. En fait, il faut se mettre dans à la place du mec qui a la tour et il a plein, surtout à Logne, mais enfin à Toussus c'est pareil, il a plein de boulot et donc à la limite, vous oubliez les haies, les jeux, les. Ce qui est important, c'est quasiment les blocs de mots. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, au niveau du contrôle, beaucoup plus simple. L'astuce consiste à n'énoncer que les mots, en fait, c'est du télétraphique, voilà. Hein, finalement, à énoncer que les mots importants. Et pas des phrases. Voilà. Ouais. Ça sert à rien. C'est pour ça, la rigueur, je dirais, tu vois, autoriser roulage, rappel prêt au point d'attente 0,8,2. Il n'y a même pas besoin de faire le jeu, quoi. Exactement, c'est exactement ça. En principe, on doit dire le Fox quelque chose, mais en pratique, c'est pas rare qu'on l'oublie, quoi. Ouais. Simplement, ça va plus vite. Mais quand t'es sur Logne et que t'as beaucoup de trafic, rien que le fait de pas dire le Fox, finalement, ça fluidifie encore plus. Voilà. Ça les rideaux comme ça. Surtout quand tu reviens de local, tu passes le point écho. Si t'en as 3 ou 4 dans la boucle, le mec, il a pas le temps, t'as pas le temps. T'avances, c'est toujours pareil, t'avances, tu passes le point écho et t'as toujours pas réussi à contacter la tour. Donc voilà, c'est... ça arrive aussi. C'est ça le problème, donc il faut être concis, ultra concis. Monsieur Dominique, est-il prêt ? Toujours. Alors c'est à toi de jouer. Logne Sol, Golf Tango Bravo, bonsoir. Fox Golf Tango Bravo, Logne Sol, bonjour. Golf Charlie Echo Tango Bravo, Robert DR 400, une personne à bord au parking Paris-Est pour un tour de piste avec l'information Delta. On désire les consignes de roulage. Alors tu vois, moi c'est pareil, là j'ai un problème et mon écran est devenu noir, j'ai pas pu écrire ce que je voulais et donc là c'est moi qui suis dans la merde. Donc c'est Tango Echo, c'est ça? Donc Fox Tango Echo. Négatif, c'est Golf Charlie Echo Tango Bravo. Ah, tu vois, c'est pas facile. Hein. Ah, Golf non. Charlie Tango Echo, d'accord. Golf Charlie Echo Tango Bravo. Ah, putain, et en plus de ça, j'étais en haut. Golf Charlie Echo. Ah, oh, si le mec. Ah, qu'est-ce que tu m'as dit? Ah oui, en plus de ça, t'as pris un autre appareil, d'accord. Ok, d'accord. Donc Fox, pardon, Golf Charlie Echo Tango. Bravo, bonsoir. Rouler et rappeler prêt au point d'attente 0,8 dur. Qu'est-ce que tu nous as trouvé comme matriculation là? Anglais. Bah ouais. On roule point d'attente 0,8 dur, Golf Tango Bravo. Alors pourquoi? Ah oui, Golf Tango Bravo, bien sûr. Et j'ai encore inversé. Ok, vas-y, t'es prêt?
Golf Tango Bravo, point d'arrêt, point d'attente 08 dur, prêt pour le décollage. Golf Tango Bravo, maintenez le point d'attente, veillez la tour 118 décimal 6. On maintient et on veille la tour sur 118 décimal 6, Golf Tango Bravo. Golf Tango Bravo, bonjour, alignez-vous 08 dur, autorisé décollage, vent du 0,90 pour 8 nœuds. Bonjour, on s'aligne et on est autorisé 08 dur pour le décollage, Golf Tango Bravo. Golf Tango Bravo, remontée initiale. Ah, ça par contre tu le dis pas. En fait, t'as plus aucun contact radio avant c'est l'avant arrière. Ouais. Et ça c'est spécifique à l'ogne ou c'est juste... Non, c'est... Everywhere. En fait, et quand on est en auto-information, on l'annonce pas la montée initiale, non? Alors quand t'es en auto-information, oui. Oui, d'accord. Mais là t'es pas en auto-information, justement c'est ça la différence finalement. J'ai écrit toutes les phases de vol quand t'es en auto. Voilà. Golf Tango Bravo, en vent arrière, main gauche 08 dur, point complet. Golf Tango Bravo, numéro 1, rappelez final 08 dur, point complet. Numéro 1, on rappelle final 08 dur, Golf Tango Bravo. Golf Tango Bravo en finale 08 dur. Golf Tango Bravo autorise atterrissage 08 dur, vent du 0,90 pour 8 nœuds. Piste 08 dur autorise atterrissage Golf Tango Bravo. Golf Tango Bravo, la piste 08 est dégagée par Charlie. Je sais pas si ça existe. Non, là, c'est plutôt c'est novembre, là, je me rappelle même plus. En plus, on le dit pas. Donc, Fox Tango Bravo, roulez et quittez au parking. On roule au parking, Golf Tango Bravo. Il baille. T'as dit on le dit pas, Pascal. C'est-à-dire qu'au moment où il sort de la piste, donc il franchit la ligne pour dire que la piste est dégagée, donc il bascule tout de suite sur la fréquence du sol. C'est ça, voilà. C'est ça, et là, il demande autorisation. En fait, tu arrives, tu t'as posé, tu fixes ton appareil, enfin bon, tu appuies sur les freins, etc., tu reconfigures ton appareil, tu fermes tu rentres les volets de 2-3 bricoles de Stacabila, ou éventuellement, juste avant, tu as basculé sur la fréquence, tu attends quelques secondes pour être sûr qu'il n'y a personne qui parle sur la fréquence sol, et dès que tu es certain qu'il n'y a personne qui parle, toi, tu te signales comme quoi la piste est dégagée. Et à ce moment-là, effectivement, tu demandes roulage pour quitter au parking. Il n'y a que si tu reviens de la gazonnée qu'à ce moment-là t'as un chemin avec des sierras, des whisky ou des machins. Et ça c'est la bande gazonnée. Voilà. Enfin, c'est aussi pour ça qu'on est parti sur la 08 dure, parce que le cheminement de retour il est plus simple. Ah oui, il est long. Il y a moins de. On va dire que la phase EO elle est soulagée. Il faut une clairance pour couper l'axe de finale. Bah en fait après il y a un moment donné où on attend que le contrôleur dise ok c'est bon tu passes le point machin. Donc la tour, c'est dès que l'avion est en l'air, en fait, et le sol, quand il est les roues au sol, c'est ça. Au sol, ouais, c'est aussi simple. Okay. Voilà. Aussi simple que ça. En fait, tant que t'es pas sur la piste et que t'es pas en l'air, t'es avec le sol. Dès que t'as pénétré la piste, t'es avec la tour. Et quand t'as même quitté si la encore piste, au sol sur la piste. Oui, tu es au sol dès que tu franchis le point d'attente. En fait, t'es avec la tour quand tu passes pour passer le point d'attente, et une fois que t'as passé le point d'attente, t'es plus avec la tour au retour. Mais c'est d'accord. Particulier à l'ogne, ça. C'est particulier à l'ogne. Alors, tiens, Fifi, puisque tu as parlé, c'est à toi. Oh bah. Allez, mon Fifi. Alors, l'ogne sol de Fox India, bonjour. Oh, ça sera plus simple. Allez, vas-y, refais-la moi, s'il te plaît. Alors, je te la refais, oui, Fox India, ok, j'ai compris, c'est bon. Génial, Fifi. Bravo, Fifi. L'anime, c'est très fort. Alors, Fox India, l'ogne sol, bonjour. Alors Fox India, un Piper Arrow au parking, deux personnes à bord, information Delta reçue, demande roulage pour des tours de piste. Fox India, roulez, rappelez prêt, point d'attente 08 dur. Autorisé roulage, je rappelle prêt, point d'attente 08 dur, Fox India. T'en as choisi un qui était vachement simple en fait. Ah c'est pour toi hein. Ah bah oui, je vois ça. Non, en plus c'est l'image de mon avion alors. Oui, je sais. Ouais, bah oui. Ça empêche pas que ça surprend. Allez, ok, t'es prêt au point d'attente. Alors attends, je suis un peu perdu. Vas-y. Hop,
Je cherche mes petits papiers. J'étais au point d'attente, oui, là, d'accord. Alors, Fox India au point d'attente 0 bit dur, je suis prêt. Fox India, maintenez point d'attente et veillez à la tour sur 118 décimal 6. On maintient et on veille 118 décimal 6, Fox India. Très bien. Fox India, alignez-vous 0 bit dur autorisé décollage au vent du 0,90 pour 10 nœuds. Bonjour Tourlogne, alignement piste 08 dur, décollage autorisé, Fox India. Parfait. Fox India, début vent arrière pour un touch en 08 dur. Fox India numéro 1, rappelé final 08 dur. Numéro 1, je rappelle en final 08 dur, Fox India. Ok, très bien, ton final. Donc Fox India en finale 08 dur. Pour un toucher. Pardon, oui, pour un toucher. Donc Fox India autorisé toucher 08 dur, vendu 100 degrés pour 5 nœuds. Autorisé atterrissage 08 dur, Fox India. Bon, on imagine que t'es revenu et là juste la phrase zéo pour, comme quoi t'as libéré la piste. Alors, t'entends, je suis un peu perdu, oui. le sol de Fox India, piste 08 dur dégagé, demande autorisation roulage et quitter piste pour le parking Guillaume. Et la fréquence. Ah, tu rejoins la fréquence. Fox India, roulez et quitter au parking. Bonne fin de journée. Roule au parking et quitte la fréquence. Fox India, merci, bonsoir. T'as raison, Fifi chez Guillaume, ils avaient un bar d'enfer. Bon, si j'allais dire, j'oubliais personne. Je ne sais pas sur lequel Eric, je suis. Eric, je t'ai pas envoyé, Eric. Oui, je suis là. Et ouais, j'ai pas suivi l'ordre qu'il y a sur le TeamSpeak. J'ai failli me faire avoir tout seul. Allez, vas-y, Eric, à toi. Allez. L'ogne au sol de Fox Echo Romeo India Charlie, bonjour. Fox Echo Romeo India Charlie, l'ogne au sol, bonjour. Fox Echo Romeo India Charlie, un C182, une personne à bord au parking de l'aéroclub Sadi-le-Cointe. Nous avons reçu l'information Delta, demande le roulage pour des tours de piste. Fox India Charlie, roulez et rappelez prêt au point d'attente 08 dur. Autorisé roulage, rappel point d'attente 08 dur, Fox India Charlie. Rappel prêt, point d'attente 08 dur. Rappel prêt, ouais. Ok. You're ready. Fox India Charlie, au point d'attente 08 dur, je suis prêt. Fox India Charlie, maintenez le point d'attente et veillez la tour sur 118 décimal 6. On maintient et on veille 118 décimal 6, Fox India Charlie. Fox India Charlie, bonjour, alignez-vous 08 dur, autorisé décollage, vendu 100 degrés pour 8 nœuds. Bonjour, alignement 08 dur, décollage autorisé, Fox India Charlie. Fox India Charlie, début vent arrière pour des tours de piste 08 dur. Donc à ce moment-là, c'est pour un toucher. Pour un toucher, oui. Fox India Charlie, début droite arrière pour un toucher 08 dur. Fox India Charlie, numéro 1, rappelé final 08 dur. Numéro 1, je rappelle final 08 dur, Fox India Charlie. Fox India Charlie, en final 08 dur pour un toucher. Très bien. Fox India Charlie, autorisé toucher, piste 08 dur, vent du 0,90 pour 8 nœuds. Autorisé atterrissage 08 dur, Fox India Charlie. Ah ben non, autorisé toucher. Ah oui. Ah oui, alors. Ben, tu le savais bien. En fait, t'as changé d'avis entre le moment. Voilà, ouais. Ok, allez, vas-y, t'es sorti de la piste. Le sol de Fox India Charlie, piste 08 dur dégagé, pour demander l'autorisation de rouler et quitter la fréquence au parking. Fox India Charlie, roulez et quittez au parking, bonne fin de journée. Je roule et je quitte au parking, Fox India Charlie, bonsoir, bonne fin de journée. Ok. Bon. Donc, merci pour le contrôle. Pascal, j'ai une petite question, je ne me souviens plus. Quand on fait une remise de gaz, le pilote collationne ou pas? Quand on fait une remise de gaz, non. Ouais, tu vas annoncer une remise de gaz. Donc ah. je suis en courte finale, ah, tu t'annonces, la tour annonce ah, oui, remise la tour de gaz. Annonce...
C'est plus tu dans l'avion bah, comme t'as pas mal de boulot à faire. Tu... Bah, si je dirais remise de gaz et puis peut-être juste ça pour dire que t'as compris, puisque de toute façon il vaut mieux que tu le dises hein, que t'as compris, sinon. Non mais comme t'as plein de choses à faire quand tu fais une remise de gaz, si en plus tu te tapes le micro, ouais. C'est peut-être. Bah, si tu peux, tu le fais, sinon qu'on voit, ouais, je pense. Que... Tu dans la réalité, tu fais remise de gaz avec l'indicatif de ton avion. En réalité, j'ai dû en refaire une fois ou deux. Mais c'est vrai qu'après, quand on était en instruction, il y a Pierre qui faisait la radio aussi. La radio, bah oui, c'est ça. C'est vrai que là, je me rappelle pas forcément. J'ai tenté de dire que la logique, ça serait de au minimum collationner remise de gaz pour dire que t'as compris. Mais sinon, tu t'as pas le temps du moment que tu le fais. C'est ce qui... Ah ouais, parce que tu dois rentrer un cran de volet, prendre ton assiette, rentrer la réchauffe carbu. Ouais, ça fait plus. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup à travailler. Normalement, il faut collationner, mais si tu le dis pas, il sait que t'es chargé, il te dit rien. Et voilà. Une fois, c'est moi qui a décidé, j'ai remis les gaz, et je l'ai annoncé, il m'a dit, j'ai visuel sur vous. Donc, il est à la tour, il nous voit, pas vraiment besoin de, à ce moment un peu délicat, pas besoin de le dire. C'est ça, ouais. Parce que nous, on avait l'habitude d'appuyer deux fois sur l'alternat. Je ne sais pas si ça se fait toujours. Effectivement. De telle manière à ce que tu n'as pas à parler, mais tu dis à la tour que tu as bien compris ce qu'il voulait. Quoi. Tout à fait. Ouais, ouais. Ok. Bon, bah écoutez. Bonsoir à tous, c'est Mobilette, je viens d'arriver. Salut Damien. Tu es prêt pour faire un tour de piste virtuel, c'est-à-dire juste répéter la phrase EO ensemble? J'ai écouté, je suis pensé prêt. Ok, bah écoute, alors on est parti. La nuit seule de Fox, Romeo Alpha Tango Echo, bonjour. Fox Romeo Alpha Tango Echo, la nuit seule, bonjour. Fox Romeo Alpha Tango Echo, type Cessna 172 au parking de l'aéroclub. Une personne à bord, information Delta reçue. Demande de roulage pour des tours de piste. Fox Tango Echo, roulez, rappelez prêt au point d'attente 08 dur. Autorisé roulage, rappel prêt au point d'attente 08 dur. Fox Tango Echo. Fox Tango Echo, point d'attente 08 dur, je suis prêt. Fox Tango Echo, maintenez le point d'attente, veillez la tour 118 décimal 6. Je maintiens, je veille 118 décimal 6, Fox Tango Echo. Fox Tango Echo, bonjour, autorisé alignement 08, alignez-vous 08 dur, autorisé décollage, vent du 100 degrés pour 8 nœuds. Bonjour, alignement 08 dur, décollage autorisé, Fox Tango Echo. Fox Tango Echo, début de vent arrière pour un complet sur les 08 dur. Fox Tango Echo numéro 1, rappelé final 08 dur. Je rappelle en final 08 dur, Fox Tango Echo. Numéro 1. Numéro 1, ok. Non, je veux dire numéro 1, je rappelle. Voilà. Ok, numéro 1, je rappelle en final. 08 dur. Et donc après, ça se passe je vais te redire l'info. Donc c'est que tu fais ton tour de piste, tu passes sur la base, tu te rappelles ce que je t'avais dit. En base, tu as face au V, la forêt avec la ville. Ouais, tu te rappelles. Donc là, tu es sur la base. Et ensuite, quand tu arrives entre 800 et 850 pieds sol, tu fais ton virage pour te mettre en finale. Je rappelle la tour. Et après, voilà, t'es en finale, donc maintenant tu rappelles la tour. Ok. Fox Tango Echo en finale 08 dur. Donc Fox Tango Echo autorisé atterrissage 08 dur, vent 100 degrés, 5 nœuds. Autorisé atterrissage 08 dur, Fox Tango Echo. Le sol de Fox Tango Echo, piste 08 dur dégagé. Demande d'autorisation de rouler. Pour aller au parking. Fox Tango Echo, roulez, quittez au parking. Bonne fin de journée. Je roule et je quitte au parking, Fox Tango Echo. Bon, mais c'est bien. C'est bien. Et comment, Pascal, on annonce pas qu'on rentre en base, en fait. Hein. On fait vent arrière et finale, c'est tout. Tout à fait, ouais. Et vent arrière, c'est quand, alors? Donc, la vent arrière, tu as le plan sous les yeux? Ouais. Donc, si t'as le même nom que moi, c'est WP7.
En fait, quand tu es au-dessus de l'intersection avec l'autoroute A4 et la route qui va au nord, là où tu as tout un complexe. C'est-à-dire quand tu es à la verticale des lignes de tension aussi et que tu vires à gauche. Donc okay, c'est juste quand tu commences à remonter la piste, en fait. Et c'est quand tu commences à remonter l'autoroute dans le sens opposé à la piste où tu as décollé. Ok, ça marche. Donc tu fais ton virage, tu te stabilises, tu prépares ton appareil et tu t'annonces dans cette zone-là. Ok, donc tu annonces après avoir effectué la manœuvre. Voilà, oui. Oui, c'est ça, c'est après le virage. Okay. Tu es déjà engagé, tu commences à remonter la piste, en gros. Enfin, à remonter. Ça marche. Et on refait tout en anglais, maintenant. Yes! Well! On n'est pas couché, les mecs. Bon, bah, bonsoir tout le monde. Petite question, j'ai le plan aussi de. Excusez-moi. J'ai le plan aussi de l'aéroport de Logne. Et le point d'attente pour la 08 c'est novembre 4, c'est ça? C'est ça. Ok. Voilà. Ok, bon, bah, si tout le monde est prêt, on va y aller. Alors là, je sais pas comment on va faire pour les tours de piste, puisque... Allez, le premier qui parle a gagné. L'on est sol de Fox Hotel Alpha Yankee Romeo, bonjour. Fox Hotel Alpha Yankee Romeo, Boulogne sol, bonjour. Fox Hotel Alpha Yankee Romeo, un DR400, une personne à bord, parking Sadi Lecointe, demandons roulage pour des tours de piste, s'il vous plaît. Fox Yankee Romeo, roulez point d'attente 08 dur, rappelez prêt. On roule 08 dur et on rappelle prêt Yankee Romeo. Fox Romeo Golf India Sierra, bonjour, le sol. Fox Golf Romeo India Sierra, le sol, bonjour. Fox Romeo Golf India Sierra, un DA40, une personne à bord au parking Guillaumet. Demande de roulage pour des tours de piste avec Delta copié. Fox India Sierra, roulez point d'attente 08 dur, rappelez prêt. Je roule point d'attente 08 dur, rappel prêt. India Sierra. Ça va être sympa d'avoir tout le monde à la queue leu. Ça va être chaud. Ouais. T'as voulu, hein, Pascal. Il y en a qui a compris le truc, il est déjà au parking là. Logne sol de Fox Echo Romeo India Charlie, bonjour. Fox Echo Romeo India Charlie, Logne sol, bonjour. Fox Echo Romeo India Charlie, un C182 au parking de l'aéroclub Sadi Lecointe. Une personne à bord, nous avons pris l'information Delta, demande roulage pour des tours de piste. Fox India Charlie, roulez point d'attente 08 dur, rappelez prêt. Autorisé roulage, rappel point d'attente 08 dur, Fox India Charlie. Fox India, bonjour, le mieux du sol, Fox India, le mieux sol, bonjour. Fox India, un Piper Arrow au parking, alors je ne sais pas le nom, Guillaumet on va dire, deux personnes à bord, information Delta reçue, demande roulage pour des tours de piste. Fox India, roulez point d'attente 08 dur, rappelez prêt. Autorisé roulage, rappel prêt, point d'attente 08 dur, Fox India. Marco. Ouais, j'avais un problème de micro et je l'entendais très faible, hein, c'est le temps que je jouais que ça. Loin Soil de Fox Mike Alpha Romeo Charlie, bonjour. Fox Mike Alpha Romeo Charlie, Loin Soil, bonjour. Fox Mike Alpha Romeo Charlie, un DR400 avec une personne à bord, avec l'information Delta pour des tours de piste. Fox Romeo Charlie, roulez point d'attente 08 dur, rappelez prêt. Autorisé roulage 08 dur, je rappelle prêt. Fox Romeo Charlie.
Yankee Romeo, point d'attente 08 prêt au départ. Fox, Yankee Romeo, maintenez le point d'attente, veillez la tour 118 décimal 6. Je maintiens point d'attente, je veille la tour 118 décimal 6, Yankee Romeo. Fox, Yankee Romeo, bonjour, autorisé alignement 08 dur, vent autorisé décollage, fin du 100 degrés pour 4 nœuds. Bonjour, je m'aligne et autorisé décollage 08 dur, Yankee Romeo. T'es parti, fils, ça, hein? Y a du monde qui pousse. Un petit conseil, si vous voulez, pour l'oblitération de cap à 120, mettez la pinule de cap sur 120, comme ça vous l'oublierez pas. Ah oui, pas bête. Quand vous décollez, voilà, vous mettez la pinule sur 120, comme ça vous allez vous rappeler qu'il faut oublier infléchir la trajectoire. Donc qui c'est qui manque là? Damien et Dominique n'ont pas fait le roulage. J'ai de gros problèmes du coup de l'avion qui se déplace bizarrement. Ah d'accord. Fox India Charlie au point d'attente 08 dur, je suis prêt. Fox India Charlie, maintenez le point d'attente, veillez la tour 118 décimal 6. Je maintiens, je veille 118 décimal 6, Fox India Charlie. Fox India Charlie, bonjour. Alignez-vous 08 dur, autorisé décollage, vent du 100 degrés, 8 nœuds. Bonjour, alignement piste 08 dur, décollage autorisé, Fox India Charlie. Fox India Sierra, au point d'attente 08 dur, on est prêt derrière le trafic. Fox India Sierra, maintenez le point d'attente, veillez la tour 118 décimal 6. Je veille la tour sur 118.6, je maintiens le point d'attente, Fox India Sierra. Fox India Sierra, bonjour, alignez-vous 08 dur, autorisé décollage, vent du 0,90, 4 nœuds. Fox India Sierra, bonjour, je m'aligne 08 dur. Autorisé décollage. Et autorisé décollage, ah oui, j'ai du mal. Logne Sol, Golf Charlie Echo Tango, bravo, bonsoir. Golf Charlie Echo Tango, Logne Sol, bonjour. Golf Charlie Echo Tango, bravo, Robin DR400, une personne à bord au parking Paris-Est pour quelques tours de piste avec l'information Delta, on désirait les consignes de roulage. Fox, décidément j'ai du mal, c'est Golf en plus. Golf Echo Tango, roulez point d'attente 08 dur, rappelez prêt. On roule point d'attente 08 dur, rappel prêt, Golf Tango, bravo. C'est Tango, bravo. Tango, bravo, très bien. Fox India au point d'attente 08 dur, prêt. Fox India, maintenez le point d'attente, éveillez la fréquence 118 décimal 6. On maintient et on veille la tour 118 décimal 6, Fox India. Logne tour de Yankee Romeo, mi-vent arrière à 08 pour en toucher. Yankee Romeo, rappelé final 08 dur. Numéro 1. Numéro 1, je vous rappelle, final 08 dur, Yankee Romeo. Fox India, bonjour, alignez-vous 08 dur, autorisé décollage, vent du 100 degrés pour 8 nœuds. Bonne tour, bonjour, aligné piste 08 dur, décollage autorisé, Fox India. Et c'est là où ça devient intéressant. Fox India Charlie, débute vent arrière. Fox India Charlie, numéro 2, après l'appareil qui passe en base, rappelé final. On rappelle final en numéro 2, Fox India Charlie. Tu l'as pris super pour Johan. J'ai tourné Fox. Vas-y Marc.
Fox Romeo Charlie au point date 08 dur, prêt au décollage. Fox Romeo Charlie, maintenez le point d'attente, veillez la tour 118 décimal 6. Je maintiens le point d'attente et je veille la tour 118 décimal 6, Fox Romeo Charlie. Fox Romeo Charlie, bonjour, maintenez le point d'attente 08 dur, avion qui arrive en finale. Je maintiens le point d'attente 08 dur, Fox Romeo Charlie. Yankee Romeo en finale 08 dur pour toucher. Yankee Romeo autorisé toucher 08 dur, vent du 100 degrés pour 8 nœuds. Autorisé toucher 08 dur, Yankee Romeo. Fox India Sierra en début de vent arrière 08 dur. Fox India Sierra numéro 2, rappelé finale 08 dur. Numéro 2, rappel en finale 08 dur, Fox India Sierra. Golf Tango Bravo au point d'arrêt, au point d'attente, piste 08 dur. Ah, rien. t'as pas à l'annoncer en fait. C'est seulement quand tu as fait les opérations et que t'es prêt que tu l'annonces. Je suis prêt. Ah, tu l'as pas dit. Tu l'as pas dit. Donc Fox Tango Bravo, maintenez le point d'attente 08 dur, veillez la tour 118 décimal 6. On maintient et on veille la tour 118-6, Golf Tango Bravo. Fox Romeo Charlie. Vent arrière pour un toucher 08 dur. Fox Romeo Charlie, prêt pour un départ immédiat. Prêt pour un départ immédiat, Fox Romeo Charlie. Fox Romeo Charlie, alignez-vous 08 dur, autorisé décollage, vent 100 degrés, 8 nœuds. Je m'aligne et je décolle, Fox Romeo Charlie. Fox India, vent arrière pour un toucher 08 du 1. Fox India, numéro 3, rappelé finale 08 du 1. Fox India, numéro 3, on rappelle en finale 08 du 1. Fox India Charlie, en finale 08 dur pour un toucher. Fox India Charlie, maintenez la finale. Courte finale. On rappelle courte finale, Fox India Charlie. L'agneau sol de Romeo Alpha Tango Echo, bonjour. Le sol de Fox Romeo Alpha Echo Tango, bonjour. Fox Romeo Alpha Tango Echo, Cessna 172 au parking Alpha 1, information Alpha Charlie autorisé touché pour la 08 dur. Autorisé touché, Fox India Charlie. Voilà, ça après c'est la difficulté de faire la tour et le sol en même temps. Fox India Sierra en finale 08 dur. Fox India Sierra numéro autorisé complet sur la touché sur la 08 dur, vent 100 degrés 8 nœuds. Autorisé 08 dur India Sierra. Donc vas-y Damien, on rappelle le sol s'il te plaît. Enfin on maintient le rappel le sol, ouais. Fox Romeo Alpha Tango Echo type C172 au parking Alpha Unité, information Alpha reçue, demande au roulage pour décoller. Les tours de piste. Fox Tango Echo, rouler, rappeler 08, rappeler près 08 dur. Je rappelle 08 dur. Fox Tango Echo. Ah ouais, c'est vrai que ça devient compliqué après quand il y en a plusieurs à gérer comme ça. Ah oui. Fox India en finale le 08 dur pour un toucher. Fox India autorisé touché pour le 08 dur. Autorisé vent 0,98 dur. Fox India. Fox Romeo Charlie en début de vent arrière pour un toucher, piste 08 dur. Fox Romeo Charlie numéro 3, rappelé finale 08 dur. Yankee Romeo, je rappelle final, Fox Romeo Charlie. Yankee Romeo fin, vent arrière, j'ai pas pu placer une pour toucher 08 dur. Fox Yankee Romeo, poursuivez, rappelez final 08 dur. Je rappelle final 08 dur à Yankee Romeo. Alors attends, là je montre la carte, juste histoire qu'on voit un peu le merdier que ça représente.
Ah, tu l'as voulu, Pascal. Hein. Ah, non, mais je regrette pas. Hein. Ouais, en fait, tu vois, Johan, tu verras un tout petit peu trop tôt. Il faudrait que tu passes en fait le lac qui est sur ta gauche. Ah, c'est encore. C'est vrai que je pourrais le dire en phrase en fait. Je crois que c'est une Charlie, on est étape devant arrière. Fox India Charlie, oulala, numéro 3, rappelé final 08 dur. Numéro 3, on rappelle final 08 dur, Fox India Charlie. Yankee Romeo en final 08 dur pour toucher. Yankee Romeo autorisé toucher 08 dur, vent 100 degrés 8 nœuds. Autorisé toucher 08 dur, Yankee Romeo. Fox Tango Bravo, maintenez le point d'attente 08 dur, éveillez la fréquence 118 décimales 6. C'est Golf Tango Bravo. On maintient et on veille la fréquence, Golf Tango Bravo. Fox Golf Tango Bravo, bonjour. Prêt pour un décollage immédiat? On est prêt pour un décollage immédiat, Golf Tango Bravo. Fox Golf Tango Bravo, alignez-vous 08 dur, autorisé décollage, vent du 08 du 080 pour 8 nœuds. On s'aligne et on décolle 08 dur, Golf Tango Bravo. Fox India Sierra, avant arrière 08. Fox Romeo Charlie, remise de gaz. Fox Romeo Charlie, remise de gaz. India Sierra en vente arrière 08. Ah ouais, j'étais peut-être un peu dur avec toi parce que je vois pas Nouls, il est dans l'appareil que. Le seul appareil que je vois pas à l'écran. Okay, ah mince. Ah ouais, c'est pas grave. Fox India début de vente arrière pour un toucher 08 dur. Fox India Sierra, numéro 3, rappelé final 08 dur. Fox India numéro 3, on rappelle en final 08 dur. Fox Tango Echo, point d'attente 08 dur, je suis prêt. Fox Tango Echo, maintenez le point d'attente, appareil en final. Je maintiens mon point d'attente. Ah, tu vois, j'ai été moins vache avec Eric là finalement. Merci Marc, ça m'a permis de mieux apprécier la situation. Oui, pas de soucis. Il m'a toujours Charlie en finale. Il m'a toujours pas répondu. On va toucher. Et les copains, j'ai un tour d'avance. Charlie autorisé toucher 08 du revent, 100 degrés 8 nœuds. Il y a des préférés. Autorisé, je vois ça. Ouais. Autorisé toucher 08 du Fox India Charlie. Alors toi, je sais même plus où t'en étais, toi, Régis. Ah bah oui, t'es là, ok. Je t'ai appelé en vente arrière et je tourne en base là, donc. Ok, Fox India Sierra, passé en base. Rappelez final 08 dur. Je rappelle final 08 dur, ça sera un touché puis un local. Fox India Sierra, rappelez 08 dur pour le toucher. Je rappelle 08 dur pour le toucher. Fox Tango Echo. Autorisé alignement 08 dur, alignez-vous 08 dur, autorisé décollage vent 100 degrés 8 nœuds. Autorisé décollage sur la 08 dur, Fox Tango Echo. Yankee Romeo, mi-vent arrière 08 pour toucher. Yankee Romeo, numéro 3, rappelé final 08 dur. Numéro 3, je rappelle final 08 dur, Yankee Romeo. Fox India Sierra, en finale pour la 08 dur. Fox India Sierra, maintenez la finale, vous rappelez en courte. Je rappelle en courte Fox India Sierra. Yankee Romeo, je pourrais prendre la gazonnée si possible. Fox Yankee Romeo, numéro 1 sur la 26 gazonnée, rappelez finale 26 gazonnée. Je rappelle finale 08 à Yankee Romeo. Ouais, c'est mon truc qui a écrit 26 et j'ai fait que le lire, comme un âne. Fox India Sierra en course. Fox India en finale 08 dur. Fox India Sierra autorisé toucher 08 dur. Autorisé toucher 08 dur. Fox India. C'est moi, Fifi.
Donc Fox India, maintenez la finale 08 dur, rappelez en courte. On rappelle en courte Fox India. Golf Tambo Bravo, en vente arrière, main gauche, piste 08 dur, point touché. Golf Tango Bravo, numéro 3, rappelé finale 08 dur. Numéro 3, on rappelle en finale 08 dur, Golf Tango Bravo. Fox India, autorisé touché 08 dur, vent 30 degrés vineux. Autorisé touché 08 dur, Fox India. Fox Romain Charlie en vent arrière, point touché 08 dur. Fox Romeo Charlie, numéro 2 sur la 08 dur, rappelez finale 08 dur. Numéro 2 sur la 08 dur, je rappelle en finale. Fox Romeo Charlie. Fox India Charlie en étape de vent arrière pour un toucher 08 dur. Fox India Charlie, numéro 3, 08 dur, rappelez finale 08 dur. Numéro 3, on rappelle finale 08 dur, Fox India Charlie. Yankee Romeo courte 26 08 gazonné. Yankee Romeo autorisé touché 08 gazonné vent 100 degrés vineux. Autorisé touché 26 gazonné Yankee Romeo 08 gazonné en correction 08 Yankee Romeo. Fox Golf Golf Tango Bravo changement de piste prenez la 08 gazonné numéro 2 numéro 1 rappel final 08 gazonné numéro 1 piste 08 gazonné on rappelle en finale Golf Tango Bravo. Fox India Sierra en sortie de zone pour quitter. Fox India Sierra vous quittez la fréquence à tout à l'heure bonjour bon vol à tout à l'heure Fox India Sierra. Golf Tango Bravo en finale piste 08 Herbe. Et on désirait sortir pour un local via Echo 1500 pieds. Fox Golf Tango Bravo, autorisé toucher 08 gazonné, rappelé pour quitter. Autorisé 08 gazonné pour un toucher, on rappelle pour quitter Golf Tango Bravo. Fox Romain Charlie en finale 08 dur. Fox Romeo Charlie, autorisé touché 08 dur, vent 100 degrés vineux. Autorisé touché 08 dur, Fox Romeo Charlie. Fox Tango Echo, fin de vent arrière, point complet sur la 08 dur. Alors Fox Tango Echo, vous êtes mi-vent arrière, numéro 3 sur la 08 dur, rappelez final. Je rappelle final numéro 3 sur la 08 dur. Fox India début vent arrière pour un toucher 08 gazonné. Fox India numéro 1 sur la 08 gazonné, rappelez final 08 gazonné. On rappelle le final 08 gazonné. Ça devient plus calme. Ouais, hein. on respire. On va faire un petit local histoire de le laisser reposer. Tiens, il va nous péter une durite, le Pascalou. Ah, ça allait, mais c'est vrai que c'est chaud. Hein. Ah, c'est chaud. Hein. Ah, c'est normal, le nombre qu'il y a. C'est clair que là, à 9. Fox India Charlie, en finale pour un toucher sur la 08 de dur. Fox India Sierra, India Charlie autorisé toucher 08 dur vent 100 degrés 8 nœuds. Autorisé toucher 08 dur Fox India Charlie. Yankee Romeo début vent arrière 08 pour un toucher. Yankee Romeo numéro 3 rappelé final 08 dur pour un toucher. Au numéro 3 je rappelle la finale 08 dur toucher. Fox Tango Echo en finale pour la 08 dur. Fox Tango Echo rappelé courte pour la 08 dur. Je rappelle court pour la 08 dur.
Fox, Romeo Golf, India Sierra, Fontenay Trésigny, Fox, Romeo, India Sierra, bonjour. Ah ouais, bah alors fais pas de l'auto-info sur la fréquence. Non, non, là. Bon, je vais pas faire de l'auto-info, non, mais c'était juste pour me remémorer. Non, non, je le fais pas. Ah ouais. Un touché là-bas. Fox, Tango, Echo, tout autorisé, touché 08, du revent, 100 degrés, 8 nœuds. C'est un complet. Fox Tango Echo. Tango Echo autorisé complet atterrissage 08 du revent 100 degrés vineux. Autorisé atterrissage 08 du revent. Fox Fox India en finale 08 gazonné. Fox Fox India autorisé touché 08 gazonné. Non, c'est bon. Vent 100 degrés vineux. Autorisé touché 08 gazonné. Golf Tango Fox, bravo, on est passé Echo pour quitter. Fox Tango Golf Tango Bravo, quittez la fréquence à tout à l'heure, au revoir. On quitte la fréquence à tout à l'heure, Golf Tango Bravo. Fox Romeo Charlie en vent arrière pour un toucher 08 dur. Fox Romeo Charlie, rappelé finale 08 dur. Numéro 2. Le sol de Fox Tango Echo piste 08 dur dégagé. Demande d'autorisation pour rouler jusqu'au parking Alpha Unité. Fox Tango Echo, roulez, quittez au parking. Bonne fin de journée, au revoir. Je roule et je quitte au parking Fox Tango Echo. Fox Romeo Charlie, je rappelle en finale 08 dur pour un toucher. Numéro 2. Yankee Romeo en finale 08 dur pour toucher. Fox Yankee Romeo autorisé touché 08 dur vent du 100 degrés 8 nœuds. Autorisé touché 08 dur Yankee Romeo, serait-il possible de faire une basse hauteur à la suite s'il vous plaît? Fox Yankee Romeo autorisé le basse hauteur. Rappelez début de vent arrière. Je rappelle début de vent arrière à 08 pour une basse hauteur Yankee Romeo. Fox India Charlie, attention, vous êtes du mauvais côté de l'autoroute. Reprenez au nord de l'autoroute. On repart au nord de l'autoroute, Fox India Charlie. Fox India Charlie en étape de vent arrière pour un toucher, piste 08 dur. Fox India Charlie, numéro 2 pour un toucher sur la 08 dur, rappelez finale 08 dur. Numéro 2, on rappelle final 08 dur, Fox India Charlie. Fox Fox India, vous êtes trop à l'ouest par rapport au circuit. Vous devriez être côté, vous devriez avoir la ligne de tension sur votre gauche. Fox Fox India, c'est noté, on corrige la trajectoire. Fox Romeo Charlie en finale 08 dur pour un toucher. Fox Romeo Charlie autorisé toucher 08 dur vent 100 degrés 8 nœuds. Autorisé toucher 08 dur Fox Romeo Charlie. Fox Fox India en vent arrière pour un toucher 08 dur. Fox Fox India pour vous ce sera numéro 1 même numéro 2 sur la 08 gazonné. Fox Fox India, numéro 2 sur la 08 gazonnée. Fox India Charlie, vous serez numéro 1 sur la 08 gazonnée, appareil en tour de en basse hauteur. Fox India Charlie, c'est reçu? Oui, j'ai un problème. Mon avion, j'ai perdu la puissance. Hein. J'ai plus rien. Fox India Charlie autorisé pour un atterrissage d'urgence sur la 08 dur. Alors faut que tu fasses un demi-tour. Hein. T'as intérêt à faire un demi-tour rapide. Ça y est, il a rempli la puissance. Yankee Romeo fin vent arrière basse hauteur sur la 08. Yankee Romeo autorisé touché 08 dur. Autorisé touché 08 dur à Yankee Romeo. Fox India Shirla, India Charlie, si la puissance est revenue, vous êtes numéro 1 sur le 08 gazonné. Rappelez finale 08 gazonné. Fox India Charlie. Oui, Fox India Charlie, oui.
Vous êtes numéro 1 sur la 08 gazonnée. Raté final 08 gazonnée. Fonction qui Roméo touché, touché 08 dur. Vent 100 degrés vineux. Autorisé touché, hein, qui Roméo 08 dur. Ah, ça devient le merdier. Ah, surtout avec la basse hauteur, oui. Ah, bah oui. Hein. Merci, Johan, c'était sympa. Voilà. Fox India Charlie, en finale 08 dur. Fox India Charlie, c'était la 08 gazonnée pour vous. Rappelez courte finale 08 dur. On rappelle courte finale 08 dur, Fox India Charlie. Fox India Charlie autorisé, touché 08 dur, vent 100 degrés vineux. Autorisé, touché 08 dur, Fox India Charlie. Fox India en finale 08 gazonné. Fox India autorisé, touché 08 gazonné, vent 0,90 5 9. Autorisé, touché 08 gazonné. Fox Romo Charlie en début de vent arrière pour un touché 08 dur. Fox Romeo Charlie, rappelé final 08 dur, numéro 1. Je rappelle final 08 dur, Fox Romeo Charlie. Force de faire des ronds, on commence à s'habituer au paysage et à savoir où est-ce qu'il faut virer. Ah bah c'est ça, oui. C'est... Ouais. Ah bah moi je me sers de la pinule au 120, là, comme disait Régis, c'est génial. Ah oui, oui. Pas cracher sur les petites Z inutile. Que tu peux avoir dans le cockpit. Yankee Romeo au début, vent arrière, 08 pour toucher. Et Yankee Romeo, numéro 1, numéro 2, 08 dur. Rappelez finale 08 dur. Numéro 2, je rappelle la finale, la 08 dur, Yankee Romeo. Au niveau du simu, Johan, alors, ça te parle bien? Oui, bien sûr, c'est... Oui. C'est bien. C'est fidèle. Ouais. Après, les vitesses, j'ai encore du mal à gérer les vitesses, mais ça va. Bon ben là, sinon, ce que je vois, d'après ce que me dit Little Nermap, hein, t'es 83 nœuds, 1174 pieds, donc c'est bien. Marc, c'est bien aussi, t'es 1250 pieds. Par contre, il me dit ground speed 30 nœuds. Fox India Charlie, début de vent arrière pour un toucher, piste 08 gazonné. Fox India Charlie, numéro 1, 08 gazonné, rappelé final 08 gazonné. Numéro 1, on rappelle final 08 gazonné, Fox India Charlie. Fox India, début de vent arrière pour un toucher en 08 dur. Fox India, numéro 3 en 08 dur, rappelé final. Fox India numéro 3, on rappelle en finale 08 dur. Fox Romeo Charlie en courte pour un toucher 08 dur. Fox Romeo Charlie autorisé, toucher 08 dur, vent 100 degrés vineux. Autorisé, toucher 08 dur, Fox Romeo Charlie. Yankee Romeo, maintenez la finale, rappelez courte. Fox Yankee Romeo, rappelez courte, 08 dur.
Je rappelle course 08 2 à Yankee Romeo. Fox Yankee Romeo autorisé toucher 08 dur vent 100 degrés vineux. Autorisé toucher 08 dur à Yankee Romeo. Serait-il possible de faire un exercice d'encadrement face au sud Yankee Romeo? Fox Yankee Romeo autorisé exercice encadrement. Autorisé exercice encadrement face au sud Yankee Romeo. Rappelez vertical 1500 pieds pour le début d'exercice. Je rappelle le début d'exercice Yankee Romeo à 1500 pieds. Ouais, c'est vrai, tout ça, c'est des éléments de phraseux qu'on pourrait rajouter dans le petit mémo, là. Mais c'est vrai qu'ils sont pas très évités, donc. Comment tu fais quand tu dis que ton badin n'est pas actif? Parce que moi, c'était le cas, en fait. C'est pour ça que j'ai fait un complet. Ah, d'accord. Comment tu fais? Bah, c'est quoi la question? Comment tu fais? Bah ouais, enfin, c'est quoi la phraseux? Parce que j'ai décollé, j'ai vu que le badin était inactif, et du coup, bah, j'ai fait le tour de piste et j'ai fait le complet, quoi. Ah bah, à ce moment-là, tu signales une panne. Panne, et badin. Fox India Charlie en finale pour un toucher sur la 08 gazonné. Fox India Charlie autorisé toucher 08 gazonné vent 100 degrés 8 nœuds. Autorisé 08 gazonné Fox India Charlie. Fox India en finale 08 dur. Fox India autorisé toucher 08 dur vent 100 degrés 8 nœuds. Fox India autorisé piste touchée piste 08 dur. Fox Romeo Charlie en début de vent arrière touché 08 dur. Fox Romeo Charlie numéro 2 sur la 08 dur, rappelez finale. Numéro 2 sur la 08 dur, je rappelle finale. Fox Romeo Charlie. Logne Tour de Golf Tango Bravo, rebonsoir. Golf Tango Bravo, Logne Tour, rebonsoir. Transpondeur 37-25, vous écoute. On transponde 37-25, Golf Tango Bravo, DR400, une personne à bord de retour d'un vol local, estimé 2 minutes du point November pour un retour vers vos installations pour des tours de piste. Point November, il est où ce point November? Il n'y a pas de point de November ici. Novembre, ça n'existe pas. Non, il n'y a pas de novembre, il y a le écho. Non, il y a écho. Il y a juste écho en fait. Ah d'accord, non même pas, c'est quoi là-haut? Il n'y a pas de novembre en fait ici. Bah, le novembre, c'est le ton triangle de chemin de fer. Ah oui, d'accord. Novembre de Melun, oui. Ok, novembre de Melun. Ok. D'accord. En fait, tu ne rappelles pas à cet endroit-là, là, tu écoutes la tisse. Attends, bouge pas, qui c'est qui est en finale? Non, c'est bon. En fait, quand tu reviens sur le secteur, tu écoutes la tisse quand tu as passé novembre ou dans les environs de novembre, et tu rappelles quand tu es à 2 minutes de écho, en fait. Bon, ben, je rappellerai à 2 minutes d'écho, alors. Voilà. Il ne veut pas parler. Hein. C'est pour Golf Tango, ouais, Tango Bravo, rappelez 2 minutes écho. Ah non, mais... On rappelle 2 minutes écho, Golf Tango Bravo. Ayant sur Romeo vertical, terrain 1500 pieds face au sud, exercice d'encadrement pour la 08. Et Yankee Romeo, débutez l'exercice d'encadrement, rappelez finale 08, gazonné Yankee Romeo. Je débute l'exercice et je rappelle finale 08, Yankee Romeo. Fox India Charlie, début de vent arrière pour un toucher 08, gazonné. Fox India Charlie, vous serez numéro 2 sur la 08 dur, appareil en exercice d'encadrement sur la gazonne. Numéro 2 sur 08 dur, Fox India Charlie. Non, c'était gazonné. Non, je l'ai réorienté sur la 08 dur. Oui. J'ai oublié de te dire rappel final. En rappel final, Fox India Charlie. Fox India, début de vent arrière pour un toucher 08 gazonné. Fox India, vous serez numéro 3 sur la 08 dur, sauf si l'exercice d'encadrement est terminé.
Fox India numéro 3 sur la piste gazonnée. Donc rappel final 08. On rappellera en finale. Oui, 08 dur numéro 3. Fox Romeo Charlie autorisé toucher 08 dur vent 100 degrés mineux. Autorisé toucher 08 dur Fox Romeo Charlie. Fox Yankee Romeo autorisé toucher 08 gazonné. J'ai remis les gaz, Yankee Romeo. Reçu Fox Yankee Romeo. Rappelez final. Rappelez vent arrière. Je rappelle la vent arrière pour une publier, Yankee Romeo. Fox India Charlie, si vous voulez à 08 gazonné, vous êtes numéro 1. Rappelez final 08 gazonné. On rappelle final 08 gazonné, Fox India Charlie. Fox India, si vous voulez la 08 gazonnée, vous êtes numéro 2, rappelez final 08 gazonnée. Fox India, numéro 2, piste gazonnée, on rappelle en finale. Golf Tango, bravo, à 2 minutes du point écho. Golf Tango, bravo, transpondez 37-24, rappelez point écho. On transponde 37-24 et on rappelle écho, Golf Tango, bravo. Ah, si, ça y est, je te vois, Dominique. Fox Yankee Romeo, visuel sur le Romeo Charlie qui vous précède. Négatif Yankee Romeo. Fox Yankee Romeo, vous êtes 1300 pieds, l'appareil 1200 pieds. Virez à gauche maintenant pour intégrer le début de vent arrière, main gauche sur la 08. Je corrige l'altitude et je vire à gauche maintenant pour débuter vent arrière Yankee Romeo. Fox India Charlie autorisé, touché 08, gazonné, 100 degrés lumineux. Fox autorisé, touché. Pardon. Autorisé toucher Fox India Charlie, piste 08 gazonné. Fox Romeo Charlie, visuel sur l'appareil à votre gauche, même altitude, qui va s'intégrer début de vent arrière. Je ne vois pas sur ma gauche. Non, non négatif, pas trafic en fait, on se voit pas. On n'est pas. Moi, je ne le vois pas en cause du logiciel. Fox India Final 08 goudronné pour un toucher. On peut faire des lunettes. Fox hein, ceux India Sierra autorisé toucher 08 à gazonner. Vent 100 degrés minutes. Il y a un sponsor. Si vous voyez rien, je suis là les gars. Je vous filerai ma carte de visite. Pascal, je sais pas si c'est à moi que tu as répondu, mais il y a eu une erreur dans ton code. Ah bon, Fox India Fox India. T'avais dit India Sierra, je crois. Ah pardon, non. Bon, Fox India autorisé toucher 08 gazonné. Vent 100 degrés minutes. Il n'y a pas de souci, Fox India en courte finale, piste 08 goudronné, gazonné, pardon. Moumouté. Golf Tango Bravo, on est passé écho. Golf Tango Bravo, entrée rappelée début de vent arrière. On se reporte en début de vent arrière, main gauche, Golf Tango Bravo. Yankee Romeo, mi-vent arrière à 08 pour toucher. Fox Yankee Romeo pour un toucher. 08 dur numéro 1, rappelez final 08 dur. Je rappelle final 08 dur numéro 1, Yankee Romeo. Fox Romeo Charlie, vous serez numéro 1 sur la 08 gazonnée. Rappelez final 08 gazonnée. Je rappelle final 08 gazonnée en numéro 1. Ah, c'est bien ça, il faut pas grand chose pour mettre un peu de brin quand même. Hein. Johan, hein, tu l'avais promis. Hein. Ah oui, moi j'étais pas sympa, oui, je sais. Ah mais si, c'est super. Mais c'est bon. Je reste sage pour la. Non, mais continue, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, c'est super. Voilà, moi j'ai marqué les étiquettes, ce qui fait qu'on voit où vous êtes, en gros. C'est bien aussi. Ouais. Golf Tango Bravo en début de vent arrière. Golf Tango Bravo numéro 2 sur la 08 dur, rappelez final 08 dur.
Numéro 2 sur la 08 dur pour un toucher, Golf Tango Bravo. Fox India Charlie, début de vente arrière pour un toucher, piste 08 gazonné. Fox India Charlie, numéro 2, 08 gazonné, rappelé final. Numéro 2, piste 08 gazonné, en rappel final, Fox India Charlie. Là, à mon avis, il y a le Régis qui s'est arrêté à Fontenay-Trésigny et qui est au bar, là. Je vais te de pont, mon pote. Je me doute bien. C'est pas pour rien que t'as été là-bas. Tu m'étonnes. Tu crois que je connais pas l'animal. Fox Yankee Romeo autorisé touché 08 dur, vent 100 degrés mineux. Autorisé touché 08 dur à Yankee Romeo. Fox India en vent arrière pour un touché en 08 dur. Fox India numéro 3 pour le toucher 08 du rappel final. Fox India Charlie India, visuel sur l'appareil qui vous précède. Pour un toucher en 08 dur, on rappelle au final. Fox India Charlie visuel sur l'appareil qui vous précède. Fox India Charlie viré en base maintenant pour un toucher sur la 08 gazonnée. On vire en base pour un toucher piste 08 gazonnée, Fox India Charlie. Fox Golf Tango Bravo, visuel sur l'appareil. Oui, je viens de voir j'ai visuel sur l'appareil Golf Tango Bravo. Donc Fox India Charlie, maintenez votre trajectoire bien parallèle, maintenez le cap pour le toucher sur la 08 gazonnée. Fox India Charlie, on maintient le cap sur la 08 gazonnée. Fox India Charlie. Fox Golf Tango Bravo, vous prenez donc la 08 dur. Rappelez final. On se reporte final 08 dur, Golf Tango Bravo. Fox Romeo Charlie autorisé, touché 08 gazonné. Vent 100 degrés mineux. Autorisé, touché 08 gazonné, Fox Romeo Charlie. Golf Tango Bravo en finale 08 dur pour un toucher. Golf Tango Bravo, autorisé, touché 08 dur, vent 100 degrés mineux. Piste 08 dur, autorisé, touché Golf Tango Bravo. Fox Romeo Charlie, maintenez la maintenez, rappelez courte sur la 08 gazonnée. Je suis posé. Fox India Charlie, je voulais dire. Fox India Charlie. Fox India Charlie en finale 08 gazonné. Fox India Charlie autorisé, touché 08 gazonné, vent 100 degrés mineux. Autorisé, touché 08 gazonné, Fox India Charlie. Fox India en finale 08 dur pour un touché. Fox India autorisé, touché 08 dur, vent 100 degrés mineux. Autorisé, touché sur la 08 dur, Fox India. Le vent, il est gentil, il bronche pas d'un iota, là, c'est parfait. C'est magique. C'est beau. Hein bon, cela étant dit, dans la réalité, vu le nom que vous êtes, il va pas changer de l'un à l'autre. Hein. Ah, tu nous fais pas le coup de passer en 26 d'un coup ? Non. Ça, c'était un grand moment quand t'étais en l'air, ça. Tu veux atterrir en 26, Régis. Donc, Romeo, vent arrière à 08 pour toucher, suivi d'une basse hauteur. Fox Yankee Romeo, numéro 1 sur la 08 dur, rappelé final. Ok pour le basse hauteur Yankee Romeo. Je rappelle, final 08 dur Yankee Romeo, suivi d'une basse hauteur. Il y en a un qui va bien dormir ce soir, moi je vous le dis. Je me doute. Mazo entre nous. Ah non, mais c'est vachement sympa en attendant. Ah bah oui, non, et puis attends, nous on prend du plaisir. Hein. Tout à fait, oui. Fox Romeo Charlie en début de vente arrière pour un complet 08 dur. J'ai pas les toilettes à bord. Fox Romeo Charlie, message de détresse bien reçu. Numéro 2 en 08 dur, rappelé final. Je rappelle en final 08 dur, Fox Romeo Charlie. Ouvre la fenêtre. Ouais. Alors attention, il interdit de jeter quoi que ce soit à un appareil. C'est marqué dans le règlement. Ouais.
quoi que tu vas me dire, ça se disperse. Golf Tango Bravo en début de vent arrière 08. Fox, pas décidément, Golf Tango Bravo numéro 3 sur la 08 du rappelé final 08 du. Numéro 3, on rappelle en finale 08 dur, Golf Tango Bravo. Fox India Charlie en vente arrière pour un complet sur la 08 dur. Fox India Charlie, vous serez numéro 1 sur la 08. Gazonné. Visuel sur l'appareil qui vous précède. Rappelez. Visuel sur l'appareil qui me précède. Et donc un atterrissage sur la 08 dur. Fox India Charlie. Gazonné. Yankee Romeo. Gazonné. Autorisé touché 08 dur. Vent 100 degrés lumineux. Autorisé touché 08 dur Yankee Romeo. Fox India en vente arrière pour un complet 08 dur. Fox India, vous serez numéro 2 sur la 08 gazonné. Rappelez, finale 08 gazonné. Fox India, on rappelle en finale le 08 gazonné, en numéro 2. La question c'est qui c'est que j'ai envoyé sur la gazonnée, qui c'est que j'ai envoyé sur la dure. T'as pas tes petits papiers ? Eric et Philippe sur la gazonnée. Ouais. Moi je suis sur la dure, Eric sur la gazonnée. Fox Romeo Charlie sur la dure. Finale 08 dur. Fox Romeo Charlie autorisé complet, autorisé atterrissage 08 dur, rappelé vent 100 degrés lumineux. Autorisé atterrissage 08 dur, Fox Romeo Charlie. Fox Yankee Romeo en basse hauteur, rappelé mi-vente arrière. Je rappelle mi-vente arrière, basse hauteur, 08 Yankee Romeo. Là, il y en a un qui va se manger une remise de gage, je sais pas encore lequel, mais. Ah, ça va être moi parce que Eric il tourne plus loin que moi. Golf Tango Bravo, donc vous serez numéro 1 sur la 08 dur. Rappelez ce final 08 dur. Fox India Charlie, numéro 1 sur la 08 gazonné. Rappelez final 08 gazonné. On rappelle final 08 gazonné, Fox India Charlie. 120 arrière 08 basse hauteur et en tirant nous. Fox Golf Tango Bravo, remettez les gaz. Golf Tango Bravo, remets les gaz, on rappelle le vent arrière. Il y a un truc qui est bizarre. Lone Sold Fox Romeo Charlie. Vas-y. Lone Sold Fox Romeo Charlie pour une autorisation de roulage vers l'aéroclub et quitter Fox la fréquence. Fox Romeo Charlie, roulez, quitter l'aéroclub. Bonne fin de journée, au revoir. Merci, je roule et je quitte la fréquence. Merci pour le contrôle, au revoir. Fox India, numéro 1 sur la 08 dur, rappelez courte sur la 08 dur. Fox India 08 dur pour un complet, on rappelle en cours du final. Yankee Romeo en montée initiale pour suivre la publier, suivi du complet. Fox Yankee Romeo, rappelez début de vente arrière 08. Je rappelle début vent arrière 08 Yankee Romeo. Fox India autorisé atterrissage 08 dur vent 100 degrés lumineux. Fox India autorisé complet 08 dur. Bon, il y a tellement de hangars, je sais plus dans lequel j'étais. Et tout au bout Marco. Ouais, c'est bon, là, j'ai reconnu le. Il y avait une tache sur le mur. Pascal, il doit faire des concours de. Des concours de. Il pisse sur le. Sur la tôle. Ah bon. C'est le coin rouillé. Et Régis, tu restes au bar, c'est ça? Ah non, ça y est, j'ai fait mon triangle d'or là. Ah d'accord.
Plogne, Fontenay-Trésigny, Nangis, Coulommiers, je rentre de Coulommiers. D'accord. Tiens, je vais voir si je te vois sur la... Ah ouais, ouais. Ça y est, ouais. Je te vois, ouais, t'es à Coulommiers là. Fox, Fox India, piste dégagée au point d'attente, d'attente, je sais plus combien, N1, N unité. Alors, Fox, Fox India, par la droite, roulez sur le taxiway, rappelez pour franchir novembre. Fox, Fox India, on roule le taxiway, on rappelle novembre. Golf Tango Bravo, en début de vent arrière 08 pour un toucher. Golf Tango Bravo, vous serez numéro 1 sur la 08 dur, rappelez final. Numéro 1, 08 dur, on rappelle en finale, Golf Tango Bravo. Yankee Romeo, début vent arrière 08 dur, j'ai pas visuel sur l'appareil qui nous précède. Donc Yankee Romeo, l'appareil qui vous précède est à 20 secondes devant vous, rappelez, vous serez numéro 1 sur la 08 gazonné, rappelez final, 08 gazonné. Numéro 1, je rappelle finale 08 gazonné, Yankee Romeo. Tu le vois, Eric, tu vois bien le taxiway alors? Bah là, je suis entre les quilles, là oui. Ouais, a priori, c'est bon. Ouais. Enfin, pour ce que je vois sur le sur l'ersatz de plan de d'aérodrome que j'ai là, ouais. Bon alors, il est où notre Régis là? Ah, je suis à... Fox, Fox India, je ne me rappelle plus où je dois m'arrêter. Ah bah c'était derrière toi là. Novembre, c'était doutais. Juste à l'intersection avec la piste en fait. Ah oui. Donc Fox, Fox India, poursuivez, roulez, quittez au parking. Allez, pour quitter. Allez, roulez, quittez au parking, oui. Fox, Fox India, on roule au parking et on rappelle pour quitter. Ah non, vous quittez au parking directement. Ah bon. Le solde Fox India Charlie, piste 08 gazonné dégagé. Ah, j'ai oublié, non, j'aurais dû le dire plus tôt là, ouais. Donc Fox India Charlie, par la droite, non par la gauche, roule Sierra et je rappelle novembre unité. Bah, faites ainsi, India Charlie alors. Vas-y, fais. Il y en a qui arrivent en finale, on va s'en occuper. Golf Tango Bravo en finale 08 dur. Golf Tango Bravo, autorisé, touché 08 dur, vent 100 degrés lumineux. Autorisé 08 dur pour un touché Golf Tango Bravo. Ah bah oui, je te vois pas dans cet appareil. T'es sur le scope. Non, c'est marrant parce que maintenant je regarde Little Nav Map et je regarde mes traits superposés, enfin tous mes traits superposés. Alors, c'est assez rigolo les petits écarts sur certains endroits. Bah, ce que je vais faire à ce moment-là tout à l'heure, c'est que je vais ouvrir un poste. Comme ça, je pourrais mettre la vidéo dedans. Et bah, si tu veux... ce que je vais faire, c'est ce que je vais le faire maintenant d'ailleurs. Tu veux pas que ça se sache, Pascal? Si, ça va se savoir. quoi que ce serait. Final, non, je vais en parler demain. Bah... Il y a un grand meilleur en finale pour un complet sur la 08 gazonne. Fox Yankee Romeo autorisé, atterrissage 08 gazonné, vent 100 degrés lumineux. Autorisé atterrissage 26 08 gazonné Yankee Romeo. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Donc gardez bien ça sous le côté, demain j'en parle. Ouais. Et à ce moment-là, on publiera dès demain soir si vous voulez. Logne, tour de Fox Romeo Golf India Sierra, bonjour. Fox Golf Romeo India Sierra, Logne tour, bonjour, transpondeur 37-23, je vous écoute. Alors 37-23, avec la souris au transpondeur. Fox Romeo Golf India Sierra, retour 1DA40, une personne à bord, retour de local avec Charlie Copier, actuellement à 1 minute du point Echo, 1300 pieds QLNH,
Demande autorisation pour un complet sur la 08. Ah là, t'en as dit beaucoup trop. Tu dis voilà, 2 minutes. Ouais. Tu diras 2 minutes d'écho, ça suffit. À 2 minutes d'écho, oui. Et moi, je te dis Fox Romeo Golf India Sierra, rappeler écho. Je rappelle écho Fox India Sierra. Fox India au parking, on quitte la fréquence. Bonsoir, Logne Sol. Bonsoir, Fox India. Bonne soirée, au revoir. Logne Sol de Yankee Romeo, rebonsoir. J'ai dégagé la piste 08 gazonnée, demande roulage pour Sadi. Fox Yankee Romeo par la gauche, rouler jusqu'à Whisky, rappelé Whisky. Whisky 1. Whisky Unité. Par la gauche, je rappelle avant Whisky Unité, Yankee Romeo. Fox India Sierra, on passe écho. Fox India Sierra, entrée, rappelé début de vente arrière, Fox India Sierra. Je rappelle début de vente arrière, Fox India Sierra. Golf Tango Bravo en début de vente arrière 08 pour un complet. Golf Tango Bravo, numéro 1 sur la 08 dur, rappelez des finales 08 dur. Numéro 1, on se reporte en finale 08 dur, Golf Tango Bravo. Fox India Charlie au parking de l'aéroclub Sadi Le Cointe pour quitter la fréquence. Fox India Charlie, quittez la fréquence. Merci d'avoir fait des tours avec nous. À demain. Merci pour le contrôle. Bonne soirée. À demain. Dès que tout le monde est posé, on se fait un petit débriefing si vous voulez. Enfin, si vous. Ouais, bien sûr. Ouais. Fox India Sierra, début de vente arrière pour la 08 dur. Fox India Sierra, numéro 2 sur la 08 dur. Rappelez final. Numéro 2 pour la 08, dur rappel en finale, Fox India Sierra. Ah, ça revient. Yankee Romeo, Whisky 1 pour Sadi. Yankee Romeo, traversé, roulé au parking, quitter. Je croise la piste et je quitte le parking de Sadi. Merci, bon, à tout de suite. Au revoir, à tout à l'heure, Yankee Romeo. Alors, yo Yankee Romeo. Coucou Yankee Romeo. Ah, ce qu'on respire d'un coup là. Ils sont tous au bord de l'escadrille en train de siroter là, la bibine. Bon, oh bah il chaud. Ouais. Ah non, c'était pas mal. C'est pas mal. C'est bien, c'est bien. Bon, allez, on va remettre un petit visuel sur Golf Tango Bravo. Pour information, vous avez tendance à être à l'intérieur du circuit. Il faudrait être à 500 mètres sur votre droite. C'est bien pris, Golf Tango Bravo. On rentre en finale 08 dur pour un complet Golf Tango Bravo. Golf Tango Bravo, autorisé atterrissage 08 dur, vent 100 degrés, 6 nœuds. Piste 08 dur, autorisé atterrissage, Golf Tango Bravo. J'allais dire, c'est dommage que mon appareil ne fasse pas de tracking. Je crois que encore, ça doit être possible. Mais alors, bonjour le merdier que ça serait avec tout le monde qui a eu ce soir. Alors là, je crois que c'était... Bon, qui c'est qui vote pour faire une remise de gaz à Régis ? Moi. Ouais. Merci. Moi je vote plutôt pour une 26. Ah. Merci Dominique, sympa. Ah ça c'est merci, pas mal. Fox India Sierra, le vent vient de tourner. Comme par hasard. Non non, je vais pas te faire ça. Ah d'accord. On va tous se retrouver au bar. D'accord. Allez, Fox India Sierra en finale 08 dur. India Sierra, c'est un peu tôt pour la finale, ouais, mais vous sais. Êtes autorisé, oh. Autorisé atterrissage 08 dur, India Sierra. Bon, India Sierra, merci mon bon seigneur. Ça c'était juste pour jouer le pinailleur. Hein. Ouais, non, non, mais t'as raison. Attends, non, mais t'étais dans les clous, c'est vrai, c'était juste pour pinailler.
Bon, c'est dommage qu'avec là, je puisse pas faire un zoom là sur toi. Ça c'est vraiment. Ah ouais, ouais. Ouais. En fait, il faudra que je vois pour les prochaines séances comment travailler sur les. Comment on appelle ça? Sur les caméras. Ah oui. Parce qu'il y a rien qu'on peut mettre et puis voilà. C'est dommage qu'il n'y ait pas des raccourcis possibles pour jongler entre les différents avions. Ouais, effectivement aussi, ça serait sympa. À un moment donné, j'y avais pensé, mais là, c'est vrai que vu le trafic qu'il y a eu, j'ai un peu même dans plus pensé du tout. Ouais. Ah ouais, non, mais j'imagine, c'est nous, on n'a pas pensé autre chose que notre pilotage aussi. Hein. Ah ça, c'est évident, ça c'est sûr. Le plus dur, c'est de tenir l'altitude, je pense. Ouais. Ah, il faut l'altitude, la vitesse, ouais. J'ai un conseil à vous donner, c'est toujours pareil, il faut, dans toutes les phases de vol, il faut que vous trimiez, vous prenez l'habitude de trimer votre appareil. Ah bah je trim, ouais. Tout le temps pour rien avoir à faire. Et sincèrement, c'est vrai, hein, si vous êtes bien trimé, ça le fait tout seul. Ah, moi, je le fais beaucoup, hein, ça, ouais. Logne Sol, Golf Tango Bravo, rebonsoir. Golf Tango Bravo, rebonsoir, Logne Sol, j'écoute. Golf Tango Bravo, la piste 08 est dégagée pour le roulage vers le parking de Paris-Est. Golf Tango Bravo, où est-ce qu'il est cet animal? Golf Tango Bravo, roulez, quittez Paris-Est, bonne fin de journée. On roule et on quitte Paris-Est, Golf Tango Bravo, merci du service, à très bientôt, au revoir. Ah, ça y est, je te vois. Voilà. Fox India Sierra, piste 08 dégagée. Fox India Sierra, roulez au parking Guillaume pour quitter. Au revoir, bonne fin de journée. Merci, oui, je roule et je quitte India Sierra. Bon, alors attends, qu'on dise pas de conneries, tout le monde est au sol là, ouais. Même Régis est au sol. Bon, alors Régis est au sol. Bah, c'est... Ouais, moi ça... Il est au tapis, il est pas au sol. Il est pas au sol, moi, je me vautre. Bon, allez, tiens, regarde ce que je vais faire, c'est ça. Hop. Régis, t'avais vu mes photos de la voiture avec la moumoute au volant? Oui, bah oui, je on t'ai est encore en fréquence, les gars, on est encore en fréquence. D'accord. je me suis bien marré, sincèrement. Avant qu'il y en ait qui commencent à raconter des bêtises. Bon, alors, attends voir. Qui c'est qui est là? Je suis en train de déplacer l'avatar pour aller visiter. Alors, j'ai un truc qui est bizarre, moi, sur ma scène, c'est que je vois plus du tout le nom sur les hangars. C'est un truc que je comprends pas. Ah bon? Ouais. Normalement, bah, c'est la scène standard, enfin, je veux dire normal, hein, de l'œil. Et ah, moi je les ai. Pas. Dans Airport 3 de Paris. Ouais, c'est ça, voilà. Pour les frontons, tu les as. Ah attends, est-ce que t'as enlevé les objets et les machins parce que j'ai eu des problèmes avec ça, il faut rien enlever. T'as pas fait de vide. Je pense pas. T'as pas enlevé des doublons dans Île-de-France Grondlayer. Non, je pense pas. Non. Hein. Parce que bon, il y a des objets qui disparaissent. Alors je sais pas si ça fait partie des objets, mais. Eh bien, sur cette belle image d'un beau DR400 aux couleurs d'un aéroclub dont je ne citerai pas le nom et avec une vue sur la tour et le restaurant, on va terminer la séance et on se dit au revoir. J'espère que ça vous aura plu et apparemment, je crois qu'on est bien parti pour en refaire d'autres à l'occasion, les gars, n'est-ce pas? Ouais, oui, oui. On veut bien faire un résumé de la situation. Avec une vingtaine d'avions. Bon allez, donc on quitte et on se retrouve au restaurant là, hein, la tour elle est fermée. À tout de suite les gars. Et à bientôt en fréquence et sur la chaîne pour de nouvelles aventures. Donc dès demain soir. Bye bye. Salut tout le monde. Bye bye.